Had Zionists come to Palestine simply as visitors, or had matters remained as before the war, there would be no question of Jew or non-Jew. It is the idea of transforming Palestine into a home for the Jews that Arabs resent and fight against. The fact that a Jew is a Jew has never prejudiced the Arabs against him. Before the war, the Jews enjoyed all the privileges and rights of citizenship. The question is not a religious one, for we see that Christians and Muslims alike, whose religions are not similar, unite in their hatred of Zionists. Tous les bureaux et les boutiques des musulmans et des chrétiens seront fermés le vendredi 27 février 1920. Les musulmans sortent de la mosquée après leur prière et se dirigent au siège du comité islamo-chrétien, où ils se joignent à leurs frères, les chrétiens. Le cortège se dirigera vers le gouvernorat. La révolte arabe explose en avril 1936. Le moufti Amin al-Husseini en tête, cinq partis politiques palestiniens appellent au soulèvement général. Les notables, les chefs de village, les paysans, les commerçants, ils se révoltent tous contre l'occupation britannique et contre l'immigration juive. Les premiers porte-paroles s'adressent à l'opinion britannique. The Arabs who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. La grève générale dure 6 mois. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens. C'est l'état d'urgence. Perquisition, contrôle, arrestation. Mais la révolte se durcit. Une vague d'attentats frappe les colonies sionistes et les installations britanniques. More British troops have landed at Haifa for the delicate job of stamping out the trouble in Palestine. You might call them the Kid Glove Army. They have to suppress assassins and bandits with the use of as little force as possible. On ne parle pas encore de terroristes. À Londres, les actualités filmées parlent de bandits et d'assassins. Il faut rassurer l'opinion en métropole, annoncer le prochain retour au calme. Les renforts acheminés en Terre Sainte auront vite fait d'y ramener la paix. Les bandits, les assassins, ce sont eux, les premiers chefs partisans palestiniens. Celui-ci est le commandant de la guérilla pour le secteur de Jérusalem, Abdelkader al-Husseini. Autour de lui, une armée de paysans et quelques centaines de volontaires venus des pays arabes limitrophes. En
En octobre 1938, les Britanniques lancent une offensive finale contre les rebelles arabes. L'aviation bombarde les villages, la répression est impitoyable. Les ruelles sont élargies à la dynamite. Les leaders sont déportés. Les partisans sont pendus. Il y a des milliers de morts. En quelques mois, la grande révolte est écrasée. Elle a duré presque 3 ans et les Palestiniens s'en souviennent comme de leur première intifada.